Peugeot Young Talents, en fait, il s'articule autour de trois concours. Un premier concours qui va plutôt toucher le monde des startups pour nous aider à travailler sur l'efficience de l'usine du futur avec toute une série de thématiques qui vont des conditions de travail à la logistique, etc. Tout ce qui va vraiment être le monde de l'entreprise, donc assez spécialisé, le monde de l'usine. Un deuxième concours très très large puisqu'il va toucher n'importe quel Marocain ou Marocaine qui a envie de prendre une photo et de nous raconter son histoire avec la marque. Donc un concours photo, tout simplement, axé autour de cette histoire de Peugeot. Et puis un troisième concours, là aussi pour... Une autre typologie d'acteurs que sont les designers et les designeuses marocains à qui on va demander de nous proposer un objet ludique, absolument pas forcément lié à la voiture, hein, puisque à l'image du Peugeot Design Lab qui a pu designer un piano ou encore un bateau dernièrement, voilà, l'idée c'est de nous proposer quelque chose d'un peu innovant. Donc ces trois concours pour accompagner ce lancement majeur pour nous qui est la création, la production de la nouvelle 208 Peugeot à Kénitra. Elle a été inaugurée le 20 juin par Sa Majesté. Donc ça y est, nous avons commencé à monter les premières 208 qui vont petit à petit monter en cadence et permettre d'approvisionner, comme le soulignait Jean-Christophe Kemar tout à l'heure, 80 pays dans le monde. Comme vous le savez, sans aucun doute, le groupe PSA a un projet très large au Maroc. Un projet qui couvre tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'automobile. Depuis la recherche et développement, avec notre centre d'études, nos centres de recherche et développement de Casablanca, au travers de la production, bien sûr, avec l'usine de Kénitra, inaugurée le 20 juin, au travers du tissu fournisseur qui alimente ce site de Kénitra, et au travers des forces de vente qui vendent nos voitures, à la fois ici et partout dans le monde, puisque le centre de pilotage régional est basé à Casablanca. Donc c'est tout un écosystème qui emploie 20 000 personnes, donc 20 000 emplois, 20 000 Marocains et Marocaines qui ont, trouvé un travail autour de l'écosystème PSA. Donc le projet PSA est un projet qui repose sur les forces vives, sur les forces humaines du Maroc. Alors on s'est dit, on va aller un peu plus loin, on va associer, dans le cadre du lancement de la 208 Made in Kénitra, on va associer la jeunesse marocaine plus largement autour du thème de la créativité et de l'innovation. Donc on lance aujourd'hui trois concours. Un premier concours qui est dédié aux start-up marocaines qui vont travailler sur l'usine du futur. L'usine du futur, c'est le futur de l'usine de Kénitra et ces start-up, à la fin, j'espère, nous proposeront des idées que l'on mettra en place sur le site de Kénitra. Premier concours. Deuxième concours, un concours de design. Vous savez combien, pour Peugeot, le design est important. Et nous avons, à Casablanca, une équipe de design. Donc, ça sera un concours donc, pour nous proposer donc, des projets automobiles, des projets de design et peut-être la chance un jour d'intégrer les équipes de design du groupe PSA qui sont présentes à Casablanca. Et un troisième concours, peut-être un peu plus classique, tourné sur la photo et qui nous permettra peut-être d'avoir des supports de communication innovants qui seront produits ici au Maroc.